Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'ensemble des points, des petits changements qui vont apparaître, que ce soit dans la chaîne, que ce soit dans l'amélioration de mes vidéos, que ce soit dans Gwent, dans les projets, dans les tournois. On va faire le point ensemble sur tout ça. Premier point, c'est que vous avez pu voir directement que je possède maintenant un casque. Et ce qui est plutôt cool, puisqu'on s'était rendu compte ensemble que dans mes vidéos, il y a un petit écho qui était plutôt chiant. Et c'est simplement dû au fait que le son est capté deux fois. Une première fois par mon logiciel de montage, et une deuxième fois, vu que j'aime pas jouer non plus dans le silence, par mon micro qui capte ma voix, qui est fait pour capter ma voix, mais qui captait aussi le son du jeu. Et ça, c'est réglé, puisque maintenant, le son que moi, j'ai envie d'entendre, pour être dans le jeu et avoir un côté immersif plus intéressant, sera capté uniquement par le casque, et non plus par le micro. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième point, on va attaquer sur tout ce qui concerne le Gwent. Première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements qui ont été mis en place par... c'est des projets CRED, il y a quand même 110 nouvelles cartes, vous le savez tous maintenant, 109 cartes pour être exact, et pour tester tout ça, et ben ça demande beaucoup de ressources. J'ai commencé à vous faire deux decks, j'ai commencé à bosser sur un deck thématique monstre et un deck thématique nain. Je me suis très vite rendu compte que si je voulais faire l'ensemble des thèmes intéressants, fun ou optimisés avec toutes ces cartes, et ben au final ça demande beaucoup beaucoup de ressources. J'ai 3000 de poussière, j'en ai déjà plus que 1370, donc c'est pour dire que ça passe très vite et j'ai que deux decks qui sont pas encore optimisés et pas complets. Donc imaginez les choses. Au lieu de vous présenter des decks pas complets, même si c'est que du fun pas complet, je vois pas l'intérêt de vous présenter ça. C'est pas intéressant à regarder, c'est pas intéressant pour moi, et c'est pas de qualité. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Ce que je compte faire, c'est de laisser les vidéos Gwent en suspens jusqu'au 8 janvier, donc la fin de la saison, pour du coup avoir monté, je crois, vers les 25 de baril, un peu plus ou un peu moins, je sais plus, et du coup commencer à attaquer sur des thématiques. Déjà vous proposer une vidéo ouverte de booster qui pourrait être super cool, mais en plus pouvoir arriver sur des thématiques déjà préconstruites et pouvoir vous présenter des choses beaucoup plus diversifiées, complets, puisque j'aurai plus de cartes, et pouvoir dépenser le peu de poussière qui me restera pour vous présenter des choses vraiment complets. Donc, niveau qualité sera déjà beaucoup mieux, et même si c'est que 10 jours à attendre, moi ça me permet aussi de faire une petite pause niveau Gwent, même si je vais rester dessus, etc., pour avancer sur les choses. Ça fait un petit moment qu'on a vu ensemble qu'il y avait peut-être une possibilité de faire des tournois intéressants. On serait sur du Keeper Gain, par exemple, qu'on a testé, qui marche plutôt bien et qui est très fun à jouer. On a mis en place maintenant des règles qui permettent de jouer de manière équilibrée et plutôt fun. Et pour ça, je suis en contact avec CD Projekt Red pour proposer du coup finalement un tournoi avec des récompenses in-game, ce qui est quand même plutôt sympa et qui amène un petit peu plus de fun dans le jeu quand même, faut pas se leurrer. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler, ça fait un petit moment que je vous le tease là-dessus, sur tout ce qui est le projet que j'avais prévu au mois de janvier, fin janvier. Ce qui est cool, c'est que j'ai reçu l'aide de deux amis qui ont des compétences assez poussées dans le domaine qui permettent d'avancer et de proposer peut-être quelque chose de bien meilleure qualité que si je l'avais fait, puisque en plus moi ça m'aurait demandé beaucoup de temps parce que c'est pas des compétences que je possède, donc ça m'aurait demandé beaucoup de temps, et eux c'est un peu leur spécialité si vous voulez, donc finalement je pourrais vous proposer vraiment quelque chose de très bonne qualité. J'espère que le fin janvier pourra être tenu, donc normalement oui, il y a pas de souci, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a pas de vidéo sur le Gwent ou sur autre chose que je ne bosse pas dessus. Il y a le tournoi en cours, il y a ce projet là qui continue, et je vous promets que ça va être vraiment de grande qualité, ça va vraiment être sympa et ça va apporter vraiment du fun là-dessus. Ensuite, pour le dernier point, ce qui concerne finalement le fait que, hors Gwent, je joue aussi à d'autres jeux. Ça me permet de faire une petite pause sur mon boulot, ça me permet de faire une petite pause quand je joue Gwent trop souvent, etc. Et je me dis, bah pourquoi pas partager ça ensemble, les jeux auxquels je joue sur PS4, sur PC, etc. Et en ce moment, j'ai une envie, c'est de jouer à Fallout 4 en mode survie. Et je me dis, si je commence une partie, autant vous la présenter dès le début, c'est plutôt intéressant que de commencer quelque chose en plein milieu, c'est pas intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est de d'ici 2-3 jours mettre en place des vidéos sur Fallout 4 en mode survie. N'hésitez pas à me proposer du coup directement si ça vous intéresse des thématiques particulières, furtivité, combat corps à corps, que distance, que sniper, etc. Dites-moi ce qui vous tente, sachant que ça vous permettra vous d'avoir un contenu différent de Gwent, ce qui change un petit peu. Moi ça me permettra de vous proposer aussi des vidéos qui complètent un peu ça. Donc ça ne prendra pas la place des vidéos de Gwent, mais ça permettra de voir d'autres choses. Et moi finalement quand je joue à Gwent, j'aime bien aussi, quand je maîtrise mon deck, j'aime bien aussi, pendant que mon adversaire met 3 plombes à jouer, j'aime bien regarder des vidéos, avoir un son de fond, etc. Et bah ça peut être l'occasion de prendre mes vidéos pour justement ce fond là, c'est pas intéressant. Ou si vous adorez ça, les jeux aventure solo, etc., que moi j'aime bien aussi, et bah vous pouvez suivre aussi ça. Le dernier point que j'ai envie de vous parler maintenant aussi, c'est tout simplement de vous dire merci, parce qu'au final on arrive bientôt sur les 1 an de la chaîne, il y a encore un petit peu de temps mais on y arrive quand même. Et au final, même si c'est une petite communauté puisqu'on est que 300 et quelques sur ma chaîne,
Et bah, il y a du monde qui est là, qui me soutient, et franchement, je vous dis merci, parce que ça fait du bien. On voit qu'on avance au fur et à mesure dans les choses, dans les vidéos. La qualité s'améliore, la communauté commence à se créer, il y a des affinités aussi quand on est en live et que vous êtes tous là et qu'on se marre dans tous les sens, c'est génial. Enfin bref, je vous dis un grand merci, parce que c'est ce qui me permet de rester motivé pour ça, et de continuer la chaîne, et de vous proposer toujours du contenu de meilleure qualité, et toujours dans le fun. Donc merci vraiment pour ça. Je vous dis du coup à très vite pour les prochaines vidéos Gwent à partir du 8 janvier et très vite pour Fallout 4 d'ici 2-3 jours pour attaquer du coup une petite expérience qui sorte un peu du Gwent. Ciao tout le monde, bonne soirée, à très vite, ciao.